Bonjour Juliette Jolin. Bonjour, Comment ça va? ça va super. Ça va super. Bon, bah écoute, on va voir ça à travers cette interview. Alors, avant de parler de ton actualité, si tu veux bien, on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Tu as 19 ans, bientôt 20 d'ailleurs, j'ai vu ça le 2 novembre. Enfin, tout Oui. le monde pense bien à te souhaiter ton anniversaire. Et tu joues au poste de libéro, au Racing Club de Cannes et en équipe de France. Comment et pourquoi t'es venu au volley? C'est très simple, je suis la petite sœur de Noélie, elle s'appelle, et qui a commencé à faire de la danse avant, à 4 ans, donc j'ai voulu faire de la danse. Elle a voulu faire du tennis, j'ai fait du tennis, et après elle a voulu faire du volley, et je me suis mis au volley, tout simplement. Alors c'est marrant parce qu'on a l'impression que tu es une suiveuse alors que sur un terrain, tu es plutôt la patronne. Bah, je suis une suiveuse par rapport à ma sœur, oui, parce que forcément, elle a toujours envie de faire comme sa grande sœur, elle fait. Sauf qu'à chaque fois, j'avais envie de me dire, bon, bah, elle a fait ça, bah, moi, je vais faire plus. Elle a fait ça, bah, moi, je vais faire plus. Donc, bah, à chaque fois, c'était ma motivation de faire mieux que ma sœur, même si ce n'est pas très cool pour elle. Voilà, à partir du moment où tu as mis le nez dans le volet, les choses sont allées plutôt vite hein, parce que tu as intégré Boulouris, qui est un des pôles France. L'occasion de saluer Evelyne Boileau, une vieille amie. Ensuite, l'IFVB à Toulouse. Et puis, tu n'avais même pas terminé l'IFVB, tu étais déjà sélectionné en équipe de France. Comment tu as vécu cette. Ouais, on peut parler d'ascension fulgurante, quoi. Comment tu as vécu ces années en jeune dans l'épaule et après la vitesse à laquelle se sont accélérées les choses. Ben, c'est surtout que j'ai commencé par le pôle de Montpellier en fait. Donc j'ai fait trois pôles en vrai. Et donc ça fait beaucoup parce que je suis rentrée au pôle de Montpellier, j'avais 12 ans. Donc je suis rentrée en tant qu'attaquante. Et après, ben, je me suis fait les croisés postérieurs. Donc on m'a dit, ben, de toute façon, je savais très bien que ma carrière internationale, ce serait en tant que libéro. Donc ben, ça a fait passer la transition ben, plus rapidement. Et après, ben ouais, c'est allé vite, mais en même temps, c'était ce que je m'étais fixé comme ambition. Voilà, je m'étais dit, je vais aller au pôle. Mon rêve, c'était de faire le pôle de Boulouris. Parce que c'était, je ne sais pas pourquoi, depuis que je me suis dit, je vais faire le pôle de Boulouris. Et donc, je l'ai fait. Et après, ben, je suis partie à Liège, c'était mon objectif d'aller à Liège. Et après, quand en plus, on a mis le projet de France Avenir où on était inscrit en pro, je me suis dit, ben, c'est l'occasion parfaite pour montrer ce que je peux faire contre les pros pour pouvoir aller directement dans un club pro en étant titulaire, quoi. Donc ça va vite, mais c'était les ambitions que je m'étais fixées. Donc pour l'instant, mon plan fonctionne, quoi. Je suis contente. Le plan de carrière est en place. Ouais. Alors, premier contrat pro à Chamalières. Pourquoi Chamalières? Pourquoi? Parce que c'était. J'avais des objectifs que je voulais après l'IF. C'était être titulaire dans un club, avoir un certain début de salaire, parce que ben, pour après commencer à te mettre une cote et ben, pas non plus démarrer trop bas ou démarrer trop haut. Et aussi aller dans un club où il y avait un petit objectif, où l'effectif était un peu remis à zéro. Et voilà, je trouvais que comme début, Chamalières, c'était bien parce que c'était aussi un club français. Donc, je ne perdais pas mes marques non plus. C'est très familial. Donc, comme premier début, je ne me suis pas mis dans la gueule du loup, quoi. Je ne me suis pas mis dans un club comme Cannes maintenant qui nécessite plus d'expérience, plus d'ambition et de niveau, quoi. Donc, pour l'instant, ouais, Chamalières, c'était ce qui me correspondait le plus, quoi. Alors, on va revenir sur ton actualité, hein, sur le Racing Club de Cannes dans quelques secondes. Avant ça, l'équipe de France aussi donc, fait appel à toi très tôt dans ce projet. Comment tu as intégré le groupe et l'idée que à 17 ans, tu étais chez les grandes? Eh bien, ça s'est fait. Ben en fait, j'ai pas eu le temps de me poser de questions parce que j'ai fini l'équipe de France junior Ouais, ça va en. trop vite, donc t'as pas le temps de poser de Voilà. questions. Non, mais j'ai fini les championnats d'Europe junior en 2018, en septembre 2018. Et en décembre 2018, je faisais la fin de qualification pour les championnats d'Europe en 2019, dès l'été d'après. Donc,
Voilà, on m'a convoqué, je me suis dit, bon, ben, on y va, on va voir ce que ça donne. Et petit à petit, apparemment, j'ai plus à Nil et il m'a gardé pour les sélections d'après. Et voilà, et petit à petit, je fais ma place dans le groupe. Voilà. Un groupe qui vit bien, hein. Quart de finale cet été à l'Euro. Bah c'était même ton deuxième Euro parce que tu avais déjà fait partie de l'aventure en 2019. Là, ça s'est mieux passé, quart de finale. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience et puis de ce résultat? Ce que je retiens, c'est que les saisons et les évolutions de plan de carrière des joueuses servent et sont utiles parce qu'on est arrivé avec un collectif qui avait beaucoup plus de bagages techniques et tactiques et d'expérience de jeu de haut niveau, en tout cas du moins de plus haut niveau que l'été d'avant. Et donc ça nous a vachement aidé en fait sur le terrain parce que ça se tirait vers le haut. Celles qui étaient plus expérimentées, on voyait de quoi elles étaient capable, Emile le mettait en avant. Donc du coup, nous qui étions un peu plus, moins d'expérience forcément qu'une Elena qui a fait champion de France et championne de la Coupe de France, forcément, et Champions League, du coup, nous, ça nous a tiré pendant 4 mois à essayer de se rapprocher de ce niveau-là. Et donc forcément, on s'est émulé un peu toutes. Et après, les matchs amicaux nous ont bien servi pour connaître notre niveau aussi. Et après, Championnat d'Europe, c'était juste la consécration de notre travail qu'on avait fourni pendant 4 mois, quoi. On va revenir au club, Racing Club de Cannes, qui te fait les yeux doux après ta première saison en pro. Ça fait quoi d'arriver dans ce qu'on peut considérer comme le club de référence du volleyball féminin, hein, c'est 2 Ligues des Champions, 21 titres de champion de France. Ça met un peu la pression ou t'as pas l'air de subir trop de pression, toi? Je me la mets toute seule, très bien. J'ai pas besoin que les autres me la mettent la pression sur ça. Donc, je sais. De toute façon, moi, j'avais signé en février avec Cannes, donc je savais très bien à quoi je m'attendais. Hein. C'était un club avec une réputation, donc voilà. Moi, il faut que je me mette à la hauteur de ce niveau. Mais c'est un tout, comme tu dis, Cannes, c'est une histoire. Donc, il y a volley, il y a au niveau du volley, mais il y a aussi les à côté, au niveau de la communication, de comment on parle, comment on se comporte avec les gens autour. C'est un tout parce que ces gens-là, ça fait 20 ans qu'ils travaillent pour ce club. Et moi, pour ça, j'aime bien ce côté humain. Donc, ça me donne encore plus envie d'aider Cannes à retrouver le haut du championnat, voir la première place, quoi. Donc, Sa splendeur d'antan. ouais, c'est ça. Ce serait un truc de fou, quoi. L'année dernière, je jouais pour le maintien et cette année, je joue pour le titre. C'est totalement différent, c'est trop bien. Ben, ça continue d'aller très très vite. Ouais. Deux matchs, deux victoires avec Cannes, voilà, déjà élu MVP aussi. Tout a l'air de bien rouler hein, depuis que tu as mis les pieds dans le volley. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour, je sais pas, les semaines, les mois, les années à venir. De continuer de gagner, de continuer de gagner et de continuer à progresser aussi de mon côté pour après partir à l'étranger et faire mon petit bout de chemin pour aller le plus haut possible dans les meilleurs clubs du monde et aussi d'être à Paris 2024 pour les JO, quoi. Parce que faut y aller, quoi, ce serait pas mal d'y aller. Ça, pour ça, on te fait confiance, on vous fait confiance, mais toi particulièrement. Et puis pour ben voilà, l'étranger, les victoires et tout ça, on te fait confiance aussi. Ça devrait arriver assez vite, ça aussi. Tu as l'air J'espère. d'une jeune fille pressée et de savoir où tu vas. Donc, on est confiant pour toi. Merci. Merci beaucoup, Juliette, pour voilà, cet entretien. Et puis, bon vent pour la suite. Puis, on viendra vers toi, de toute façon, dans le courant de l'année. Je ne Avec voudrais pas à chaque plaisir. fois que tu seras MVP parce que sinon on verra que toi, mais régulièrement on viendra te voir. Merci Avec Juliette, plaisir. bonne journée. Bonne journée.